je vous rappelle, donc je dis qu'il y a votre thématique. Enfin, vous ne faites pas du MMA, donc il faut penser pourquoi je gère des percussions. Parce que les combats, on va parler de combat urbain, je rentre avec des frappes. Si vous faites de l'interstyle, vous jouez avec du combat du jeu, de la boxe, etc., vous vous tapez. Donc, un combattant toujours debout et souvent ça commence avec des. D'accord ? Il faut gérer pour arriver là où ça nous intéresse. Première chose, donc on est là, j'arrive, vous n'avez pas besoin d'avoir un body lock nécessairement, vous pouvez très bien arriver là-dessus, je suis ici, en over-under, ça me va très bien. Maintenant, quand j'ai quelque chose, que ce soit dans la rue et ou dans une cage, on pousse vers quelque chose. D'accord ? Si on est sur un tatami, ça sera très différent. Mais là, ce qui est cool, c'est que ce soit le MMA ou dans la rue, vu que c'est en général assez urbain, il y a toujours quelque chose. Si vous pouvez pousser quelqu'un sur quelque chose, c'est un grand plus pour nous. D'accord ? Une voiture, un poteau, un trottoir qui tombe. Nous, notre but, c'est d'être au-dessus et pas avoir de danger. Donc, on part ici. Un des points qui est intéressant, c'est... Vous contrôlez, là, je n'ai pas besoin de contrôler très bas. Je vais avec mon autre main aller chercher. D'accord ? Donc, moi, ce qui m'intéresse sur celui-ci, surtout, c'est ça. Ma main, elle marche comme pour aller vers fond d'eau. Il y a un vieux style hawaïen qui s'appelle Lua. Et dans Lua, il prenait. Ouais, ils prennent. Alors, les Hawaïens, ils sont comme moi, ils sont gros. C'est, dans l'idée, on s'en fout. C'est juste que quand vous grippez quelqu'un et qu'il n'y a pas de kim ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, prenez la peau, prenez. On s'en fout. T'as pris le mauvais outil là. Hein ? T'as pris le mauvais outil là. Il n'y a pas une masse. Hein, c'est tout marceau, hein. On va les appeler entre sa rencontre. Le mec, il est nickel. Il a un taux de grade 0,02. T'inquiète, j'arrive à saisir. On va partir de la côte, là. Ça s'appelle pas Adam, mais. Je vais choper les intestins. On est là et je vais aller nourrir. L'intérêt de ça, c'est que. Ça me dirige vers le dos. Je peux potentiellement taper. N'oubliez pas, nous, on est grappleur. Donc, c'est plus pour fatiguer les gars. D'ici, souvent, les gars veulent forcer un peu là. On lève, on passe derrière. OK ? Là, vous pouvez switcher la main et revenir à l'intérieur. OK ? Vous allez le pousser un peu. Souvent, il va se redresser parce qu'il ne veut pas y aller. Vous montez sur vos jambes et vous l'emmenez sur la main. Rappelle-toi. Donc, le but est toujours le même, être au-dessus. Ce qui est cool, c'est que ça ne demande pas trop d'énergie. À l'inverse de double. Pourquoi ? Parce qu'on descend. On a déjà chopé là. On ramène, j'ai switché, on revient. Là, j'en sers loin. En plus, il y a les parties pour les mecs. Les mecs, ils sont pas super. Genre, je me mets quoi ? D'accord ? C'est hawaïen, ça aussi. Hein ? C'est hawaïen, ça aussi. Non. Là, on prend, n'oubliez pas, c'est votre bassin qui est. Et on la met sur la. Et voilà. Ok ? Juste ça.